Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans le cours d'aujourd'hui, on fera la connaissance de la recherche binaire, aussi appelée recherche dichotomique. Donc c'est une technique de recherche algorithmique qui surpasse et de très très loin la recherche linéaire que l'on va vous présenter aussi dans cette vidéo. Donc avant toute chose, définissons notre objectif. Notre objectif, comme le nom de la vidéo l'indique, c'est de rechercher un élément dans une liste donnée. Donc des integers, des entiers naturels, des réels, des textes ou quoi que ce soit, des éléments donc qui peuvent être codés dans votre langage de programmation ou bien listés dans un tableau, etc., etc. Donc l'algorithme naturel de recherche, donc celui qui nous vient directement à l'esprit et que nous utilisons le plus souvent en tant qu'être humain, c'est la recherche linéaire. Donc la recherche linéaire, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Donc pour rechercher par exemple le nombre 0, on va commencer par rechercher dans la case 1. Si 0 existe, alors je m'arrête. Sinon, je continue ma recherche. Donc je vais continuer. Première étape, deuxième étape, troisième, quatrième, et hop là, bingo, j'ai trouvé le 0, je m'arrête. Donc cette méthode en fait, elle me parcourt un à un les éléments du tableau tant que je n'ai pas atteint donc l'élément que je recherche. Et donc algorithmiquement, je peux schématiser par une boucle le long de mon tableau pour y allant de 0 jusqu'à 14. Si je trouve donc le 1, je vais m'arrêter, je vais faire un exit. D'accord ? Donc exit. Sinon, je continue. Et alors if si je trouve 1, c'est-à-dire la variable booléenne 1 trouvée, elle est égale à 1, alors je dis que c'est bon, j'ai retrouvé mon élément. Sinon, ce n'est pas bon et du coup, j'ai parcouru le tableau n fois et je ne suis pas parvenu à trouver mon élément. Donc bien sûr, quand je mets exit, donc la boucle ne s'exécute pas 14 fois, elle s'exécute autant de fois que je n'ai pas atteint mon élément, donc mon élément 0 dans cet exemple, c'est lui que je recherche. 0 est égal à la clé, comme on l'appelle dans le jargon. Donc une fois que nous avons parlé de la recherche linéaire, nous allons définir ses limites. Donc les limites de la recherche linéaire, c'est que au meilleur des cas, mon élément se trouve dans la première case. Dans ce cas, on n'effectue qu'une seule opération. Dans le pire des cas, on effectue n opérations, c'est-à-dire que mon élément se trouve dans la n-ième case. Et donc, une moyenne arithmétique des opérations qui sont faites, elle est donnée par n plus 1 sur 2, qui est égale à un grand taux de n, et donc voyons voir si on peut trouver une méthode plus efficace. Donc, la recherche binaire, elle ne me requiert qu'une seule condition, c'est que le tableau il soit trié par ordre croissant ou par ordre décroissant. Mais dans cet exemple, on verra l'ordre croissant. Principe, on recherche le nombre 29. Et donc, comment est-ce qu'on va procéder? Donc tout d'abord, on va définir les bornes de mon intervalle, de mon tableau. Donc 0 et 9. Donc 0, 1, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis 9. Et après quoi, on va calculer la moyenne arithmétique de 0 et de 9. On va trouver que c'est égal à 4,5, mais en informatique, le virgule, on l'élimine. Et du coup, on va considérer le quatrième élément de mon tableau, c'est-à-dire le nombre 26. Donc je vais l'encercler comme ça. On va comparer 26 et 29. 26 est strictement inférieur à 29. Alors, on va éliminer toute la partie inférieure à 29. Inférieur à 26. Après quoi, mon nouveau début, il commence à partir de 5 et je garde ma fin, qui est égale à 9. Maintenant, on va calculer la moyenne arithmétique encore une fois, on va trouver que c'est égal à 7. D'accord? Alors, T de 7, c'est 58. On va comparer 58 avec 29, c'est strictement supérieur à 29. On va éliminer toute la partie supérieure, strictement 29. Vous voyez que, étape par étape, on va réduire le champ de recherche. Maintenant, je n'ai plus que 29 et 42. Donc fin, début et fin. 29 et 42, la moyenne arithmétique est égale à 5. On va comparer T de 5 qui est égal à 29 avec 29. Ils sont égaux et donc je finis, c'est bon. Donc j'ai trouvé mon élément. Donc si je ne trouve pas mon élément, par exemple si j'ai ici un 27, si j'ai un 27 par exemple, alors je vais me retrouver avec, dans une dernière étape, que la fin est égale au début. Et puisque la fin elle est égale au début, je pars des indices. Début est égal à 5 et fin égale à 5. Puisque la fin elle est égale au début, je vais sortir de ma boucle et je vais comparer T de M avec la clé. Si ils ne sont pas égaux, alors je vais dire que mon élément ne se trouve pas dans le tableau.
Donc on va mettre en pratique cet algorithme étape par étape, et tout en dévoilant bien sûr le pseudocode de la recherche binaire. Tout d'abord, vous avez un tableau trié, de 3 jusqu'à 100. On veut retrouver le nombre 29, comme on a vu dans l'exemple précédent. Première étape, on initialise les bornes. Débute égale à 0, fin égale à 9. Après quoi, on va définir le milieu initial, qui est égal à 4. Comme j'avais dit, on élimine la virgule. Donc en langage C par exemple, quand vous faites 9 divisé par 2, il va vous donner 4 et non 4,5. D'autant plus que vous l'avez défini comme un integer. Alors, dans ce cas, on va commencer notre boucle. Tant que T de M est différent de clé, et en même temps le début est strictement inférieur à la fin, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais comparer T de M avec la clé, comme on a vu tout à l'heure. On a comparé à chaque fois donc T de M avec la clé. Dans l'exemple 26, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé que 26 est strictement inférieur à 29. Et donc, on a éliminé toute la partie inférieure. Quand on a éliminé la partie inférieure, on a reconsidéré le début, qui était égal alors à M plus 1. Et donc, si T de M est inférieur strictement à la clé, alors je fais début égal à M plus 1. Vous l'avez vu devant vous, ici. Sinon, je fais fin est égal à M moins 1. Après, je ferme ma boucle et à chaque fois, je réitère le calcul du milieu. Je finis ma boucle. Et en conclusion, si T de M est égal à clé, j'écris OK. Sinon, j'écris non OK. Donc, on va réappliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans la première étape, le milieu est égal à 4. Dans la deuxième étape, le milieu est égal à 5. Le début est égal à 5 et la fin est égal à 9. Et donc, le milieu est égal à 7. On a comparé 58 à 29. On a comparé 58 à 29. On a trouvé que 58 est strictement supérieur à 29. Et donc, on a éliminé tous ces cas-là. Après quoi, on a reconsidéré que fin est égal à milieu, le nouveau milieu, c'est-à-dire 58, l'indice du 58, c'est-à-dire le 7, milieu moins 1. Tout en gardant début, est égal à 5. On a réduit notre champ de recherche à 29 à 42, et puis on a conclu. D'accord? Revoyez l'algorithme devant vous. Ok, donc pour finir la vidéo, on va établir une petite comparaison entre l'algorithme de recherche linéaire et l'algorithme de recherche binaire. Donc pour exemple, on va chercher 600, le nombre 600 dans la liste des nombres ordonnés de 1 jusqu'à 1000. Donc pour la recherche linéaire, je vous laisse deviner combien est-ce qu'on a d'étapes. On a bien sûr 600 comparaisons. Au début, on compare avec 1, après on compare avec 2, ainsi de suite, jusqu'à comparer avec 600, jusqu'à trouver le résultat. Pour la recherche binaire, l'étape 1, c'est de calculer le milieu. On trouve que c'est égal à 500. Après, on va considérer le nouvel intervalle, c'est-à-dire 501 jusqu'à 1000. Calcul du milieu, ça donne 750. La même chose. 501 jusqu'à 649. 749, pardon. Puisque donc le 600 il est inférieur à 750. 749. Voilà. Et donc, on va trouver 625. Donc 600 est strictement inférieur à 625, la nouvelle fin elle est égale à 624. Et ainsi de suite, au bout de 10 étapes, je finis par trouver mon 600. Donc comparer 600 étapes versus 10 étapes. En fait, je vous laisse comme exercice, donc le calculer, on va dire prouver que la complexité donc le algorithmique de la recherche binaire elle est égale à grand O de logarithme de n. Donc voilà, donc ce qui prouve que pour des recherches optimisées sur des listes d'un tableau, je vous recommande fortement même l'algorithme de recherche binaire. Donc merci de votre attention et à très bientôt dans un nouveau cours de kazaku.com.